Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Project Zomboïde. Alors, bah écoutez, dans cet épisode, on va faire ce qui était prévu. On va continuer un peu à visiter les maisons. On va aller chercher la remorque. On va en avoir besoin de cette petite remorque. Alors, est-ce que potentiellement je pourrais venir avec le véhicule au lieu de prendre mon véhicule? On va aller voir ça. On fera un aller-retour, sinon c'est pas grave. Bon. Et tout ça se met en place tranquillement. Non, mais viens par là, toi. Ah. Ok. Petite recrudescence de zombies. Notre machette commence un petit peu à s'abîmer là. Elle est peut-être à peu près à 50%. Ça devrait continuer à tenir encore un petit peu. On la mettra de côté pour la réparer, hein. On va pas. Ah, attendez. Viens par là, toi. Non, tu veux pas? Petit tour de balançoire, peut-être. Allez, tu nous habitues à mieux. Alors, par là-bas, j'ai pas trop vidé. Peut-être que ça devrait le faire. Quand même. On va bien voir. Ouais, on a un petit ici là. Ouais, parfait. Ouais, on va avoir un petit peu de combat. Oh. Hop. Ah bah voilà, en fait il suffisait de s'échauffer un petit peu. Ouais, je me rappelais pas, elle est un petit peu cassée la voiture quand même. Elle est un petit peu cassée. Hop. Voilà. On a un sac plastique. Est-ce qu'on a quelque chose maintenant? J'ai même pas regardé. Non, c'est quoi la capacité déjà? 104? Je suis pas mal déjà pour commencer. Le camion est vraiment en mauvais état aussi, c'est dommage, parce que lui, par contre, ça m'aurait plu. On va prendre la voiture. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Donc, il va falloir être prêt à se battre un petit peu. Voilà. Bon, on a fait un aller-retour pour rien. Je me rappelais pas du tout que la voiture était dans un état aussi pitoyable. C'est pas grave de toute façon. On va pouvoir y aller tranquille. Donc la remorque. Pardon. La remorque, c'est pas mal, hein. Je vais pouvoir aller vers. Vers Louisville. Ah, ouais. En effet. Oh. Il n'y en avait pas autant tout à l'heure. Tout à l'heure. Sur la dernière partie. Ouais, pour moi, c'est tout à l'heure. J'ai enchaîné les épisodes. Mince, on avait une voiture toute belle, toute propre. Il y a des taches de sang maintenant.
Après ça va, elle est pas trop bruyante. Va peut-être essayer de décaler un petit peu la remorque. Hop, voilà. Parfait. Bon, on savait qu'il allait falloir combattre. Oh là, la machette, elle a pris un petit peu cher quand même, hein. Ouais, ça bouge. Ok, va falloir se battre un petit peu par là. Non. Par contre, par là, oui. Il a eu du mal à tourner dans le bon sens, ma petite mère. Hein. Oh. Allez. On va pas se laisser faire comme ça. Allez, deux d'un coup, c'est bien. Hop, toi c'est pareil. Non. Allez, dépêche-toi. Ok. Bon. Je pensais que j'en aurais attiré un petit peu plus. Ah, il y en a par là, évidemment. Hop, allez, enchaîne, continue comme ça. Wow. On va aller voir. Ok. On va aller voir le garage qu'on n'a pas vidé. Non, toujours pas. C'est pas grave, hein. Ça fera des zombies en moins dans la zone. Oh, la machette a encore perdu de la durabilité. Ça va le faire quand même, hein, mais oh bah ça va le faire, j'espère, parce que il y a du renfort qui arrive là. Allez. Mince. Oh bah. Petit moment de panique, hein. Ok. Ouh, il y a eu un petit moment de... Un petit moment d'action là. Hop. Allez, on va voir le garage. C'est tout ce qui nous manquait. Moi, j'aimerais quand même, avant de quitter la zone, j'aimerais quand même trouver le sac à dos, hein, avant de quitter le secteur, parce que pour la suite ce sera plus qu'utile. Oh, un générateur. Par contre c'est pas mal. Non, referme pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah tout est bien. Ouais. Remplacer le groupe électrogène. Ouais, ça fait charger, hein. Voilà, déjà, rien que le groupe électrogène, ça va bien. Ça va bien, comment dire, prendre de la place dans la remorque. Même pour aller sur Louisville, le groupe électrogène serait quand même le bienvenu. Donc ouais, ça va prendre de la place. Après, le véhicule qu'on a,
J'espère qu'on trouvera mieux, donc avec une capacité plus importante, donc on va pas non plus se lamenter. Alors, j'espère bien trouver un camion comme ça, par exemple, accrocher la petite remorque derrière. Bon. Alors. Groupe électrogène 104. Ok. Ça. Hop. Voilà. Trois barres en fer encore. Ok. On a un petit peu essoufflé, c'est normal. On va aller voir dans la maison ici. Et au pire, on attendra d'être dans une chambre pour... Oh, la fenêtre est ouverte. Est-ce que je ne serais pas déjà venu? Je sais plus. C'est possible. Hein. Ah non, je pense pas, parce que sinon, je pense que j'aurais vidé tout ça. Allez, pour notre futur compost. Ouais, non. J'aurais vidé tout ça, je pense. Ah, le pic, non. Pic à glace, j'en veux pas. Prépare-toi, toujours être prêt au combat. Oh. Et ouais, tu vois, toujours prêt au combat. Voilà. On va monter directement, faut qu'on se repose. Faut qu'on se repose un petit peu. Hop. Et qui sait, peut-être un sac à dos. Ça je prends, ça je prends et ça je prends. Le poste radio, ouais, je pourrais le prendre. Ouais. C'est assez lourd les postes radio quand même. Se reposer. Voilà. On va essayer de se remettre à peu près bien. On va manger un petit peu de raisin. On va se fumer une petite clope. Voilà. Ça aide. Ça aide, ça aide, ça aide. Ok. On a plus de chances de trouver un sac à dos dans les penderies. Donc, ça serait cool quand même. Hop. J'ai déjà, je crois. Donc c'est bon. Salle de bain encore. Beaucoup de salles de bain dans cette maison. Ouais, bah c'est pas ici qu'on va trouver un sac à dos. Ok, bon. Dommage. On redescend. Il y a encore deux portes marquées. Mais à mon avis, c'est pas des chambres. Verser par terre, pourquoi pas. Hop. Et encore une salle de bain. Voilà. Ouais, on peut tout remplir, allez. Ça va nous charger un petit peu, mais bon. Oh, pas plus que ça. On a le garage à côté qu'on n'a pas fait. On le fera plus tard. Cette peur de l'alarme. Oh!
ça va nous charger par contre ça. Oh oui. Cuisine volume 2. Quinze heures vingt. Qu'est-ce qu'on a? Un livre. On va regarder notre carte. Donc là, pour le coup, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est pas fait. On va mettre une croix directement ici, parce que ça va être fait. Allez les gars, je ne demande pas grand chose, un petit sac à dos. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Et non. Et non, faut jouer. Et là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est pas ici qu'on va trouver non plus. Hein. Un sweat à capuche. Ah, désespoir, désespoir. On avait la cuisine, alors là on est trop chargé, hein. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Hop. Ah, puis on trouve, on trouve. Ok. Ouais, on s'en en veut pas. Allez, on repart à la voiture. On va se décharger un petit peu. Ah mince, on a ça aussi, le petit... la salle de bain. Toujours dangereuse. Non. Ça pareil, des fois, on peut rencontrer un zombie. Un marteau, non. Non, non, non. Il n'y a rien de bien. On peut pas voir, non. Non. Ok. Il y a des parties où on va trouver un sac tout de suite. Et des parties, ça va être galère. Je pense que la partie actuelle va être une partie galère. Trouver un sac à dos. Et ouais, et j'aimerais bien pouvoir aller vers le... Aller vers le... Comment? Le centre-ville en ayant un sac à dos. Bon, on va s'alléger au maximum. On va pas mettre la nourriture par contre. Ouais, la bière, ça, enfin la nourriture fraîche tout du moins. Le ketchup, on peut... mélange de légumes, les fruits, le pinard, ça, ça. Ok, bon ça va mieux. Bouteille en verre vide. Ça, on peut le mettre. Voilà. Allez, on rentre. Ah non, démarre. S'il te plaît. On risque d'attirer un peu de zombies. On essaye d'éviter les cadavres. Hop. Peut-être ceux qui étaient par là. Hop. Bah les gars, vous m'attendiez ou quoi? Ils étaient assis, tranquille, peinard. Ils ont dit, bon, on va attendre qu'ils reviennent. Enfin, qu'elles reviennent. Enfin, toi, t'as un petit sac à dos sympa. C'est pas grand chose, mais ça sera toujours mieux.
ça sera toujours mieux que ce que je n'ai pas. Porter sur le dos. Hop. Voilà. Eh, c'est déjà pas mal. Mais je pense pas qu'il y ait... Il est où? On va regarder ça dans la maison. Non, il n'y a rien. Ok. Je pense pas qu'il y ait de réduction de poids avec. Réduction de poids 30. Si. J'ai rien dit. Ok. Alors là, on a pas mal de nourriture. Hop, je mets ça là. Faudra transférer dans la voiture. Ça se cuit. Ça se cuit. Cru. Alors, bon, les huîtres, ça se mange cru. On va pouvoir manger des huîtres, allez. Allez, tu manges tout, hein, même la coquille. Hop. Voilà. Ça, on peut pas le cuire, mais par contre, on va le congeler. Mélange de légumes. Ok, ça, on va cuire. Parmentier. Bon, ça, c'est déjà cuit, brûlé, cru. Cru. Ah, notre émission télé. C'est vrai qu'on en a zappé un petit peu. Bon, on n'a pas appris grand-chose. Allez. On a pas mal de cuisson à faire, là. Tout ça. Ça. Ok. On va accélérer un petit peu, on va faire attention quand même. On en a qui sont assez rapides. Hop. Le prochain, c'est ça. Cuit. Allez, on accélère. C'est cuit. Elle s'améliore, hein. Elle laisse plus cramer maintenant. Enfin, plus trop. Hop. Eh, c'est bien. C'est très très bien. Commence à être fatigué, 19h20, bah ouais. Commence à être fatigué, mes mères. Hein. Hop, ça. 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 Et ça, au frigo. Et bon. Quel est... Oh bah c'est bon. On va congeler le maximum de la viande cuite. Non, peut-être pas les fraises. Bah ça. Ça, on va garder. Ça, on va congeler. Hop, voilà. On a quoi là? On va boire. Remplir tout. Parfait. Et ça, on peut le mettre là. Quoique. Non, on va le mettre dans le sac. Pour le mettre dans la voiture. Capacité de combien, au fait? 19. Ouais, bah, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Moi, ça me convient. Le temps de trouver un sac un petit peu plus volumineux. Allez. Tout ce qu'on a là, on met ça là.
Voilà. Et on referme. 20h10. Moi, je pense que depuis le temps, on mérite une petite toilette. Ouais, elle a effacé son maquillage, ce qui est normal. Voilà. On va accélérer un petit peu le temps. Voilà. Elle est un petit peu fatiguée aussi. Essoufflée, pardon. Voilà. Et dodo. Toilette, manger. Ouais, elle mangera de. Elle mangera le matin. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, 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 le bol, la hache, non, on peut peut-être la garder. Ah non, voilà, prendre. Ça, 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 on va peut-être garder. On va mettre tout ça dans la voiture. Ça, on va garder. Ça, on va mettre dans la voiture. Ça, on va pouvoir mettre des clous dessus, au pire. Tout ça. Hop. Voilà. Doucement, comme ça, on va remplir la remorque. Ouais, je sais, tu as faim. Hop. Je sais que t'as faim. Tu vas manger juste après. Je te sens un petit peu nerveuse aussi, donc une petite cigarette. Allez, c'est bon. Voilà, parfait. Qu'est-ce que j'ai ? C'est ça que j'ai éteint ? Ah. Non. Bon, je sais pas. Allez, va manger. Tu as du maïs. Hop. Et des fraises. Ça devrait être pas mal. Voilà. Une petite cigarette. Voilà. Bon. On est bien. Oui, j'avais dit qu'on mettrait des clous sur la batte de baseball. Hop. Alors. Clouté, voilà. Ça, c'est bien. Ça fera un petit peu plus mal. Elle est où? Ah, par contre, elle est en mauvais état. Mince. On pourra peut-être la réparer. On va la garder. On va pas l'utiliser. Ouais, au pire, hop. On va garder le pied de biche. On peut garder... Ouah, le rouleau de pâtisserie avec tout ce que j'ai. Ouais, je vais le mettre par terre, ça sert à rien. Par contre, si tu peux me démonter ça... Hop. Tac. Que des clous. Ouais, bon. Bref. Ah, ah. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout ce qu'il y a là-dedans... Jusqu'à la machette, on va dire. Si on peut le mettre, on le met. Voilà. Mais voilà. Ok. 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 Et ça.
Ok, allez. Autant commencer à charger maintenant. Comme ça, on est tranquille. Ça sera fait, on n'en parle plus. Et ça va être bon. Fusil à double canon, ça c'est pas mal aussi. Hop. Bah écoutez. Voilà. Petite vidéo sympa. On a récupéré la remorque. On n'a toujours pas trouvé de sac à dos, mais on a trouvé un petit sac qui reste relativement pratique pour le moment. Donc on va pas se plaindre. Ça va quand même nous aider un petit peu. Jusqu'à ce qu'on trouve un sac à dos avec une capacité plus grande. Et dans ces cas-là, on sera bien. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser un petit pouce vers le haut. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye!